intéressant. J'ai posé la question à la liste là, après t'avoir eu le téléphone, qu'est-ce que je veux. Et attends, je suis un peu soufflée. Et elle m'a dit effectivement que vous avez déjà vu. Et je lui ai demandé ce que c'est, je sais à quelle heure. Pour que je me rende compte, c'était avant ou après qu'on est venu. Effectivement, c'était avant. Il l'a vu à 14 ans. C'est ça qu'elle avait été vénère. Et après, du coup, oui, moi, quand il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir, il n'était pas content, quoi. Je voyais bien, après, c'est pas un air. C'était pas très naturel, tu vois, enfin bon, il y avait un truc à cocher. Et du coup, avec Alice, on a fait exactement. Madame, excusez-moi de vous embêter, bonsoir. Désolé de vous appartenir pas à votre trajet. Que ce soit un peu raccord avec vous. Comme ça, on peut vous me connaître, madame. Et en fait, il lui a dit. Comme je disais à l'instant, je suis actuellement dans la rue. Sarah m'a fait. Le lézard des actions pas recommandables, je peux pas vous féliciter. Il va pas pouvoir manger, dormir à l'abri. Non, j'ai vu qu'on a formé des trucs comme ça. C'est ma marque. Comme quoi, Elena aurait reçu des appels. Elena a reçu des messages inappropriés. Que si ça arrive à ses oreilles aujourd'hui, à lui, c'est qu'il y a un problème. Et qu'il fait ce qu'il veut dans sa vie privée, mais il fout la paix aux gens. Alors, attends. Mais en fait, c'est bien hein, ce qu'il a dit. J'ai rien à reprocher du tout. Hein. Et du coup, c'est pour ça qu'il voulait me voir, c'est parce qu'il sait que je suis concert, enfin, il sait que c'est moi qui suis à l'origine du problème, quoi. Enfin, pas à l'origine. Oui, bien sûr. Pas du tout. Après, enfin, t'inquiète, j'ai un discours tout fait. Alors, du coup, après, ils m'ont dit, c'est pas fait que vous allez le voir. Hein. Là, il doit être en crise de colère à l'intérieur de lui, donc en fait, il faut le laisser digérer l'information. Et que s'il a besoin, il viendra te voir. Mais t'inquiète, hein, je suis prête, hein, s'il vient me voir spontanément, je lui dirai, bah, écoute, je sais pas, t'en penses quoi. Enfin, tu vois, je lui poserai les questions, en fait, tu vois, je lui dirai, mais je trouve que c'est normal, enfin, tu crois que j'ai inventé tout ça, tu vois. Et que, bah, en fait, si moi, je ne rapporte pas ça, en fait, c'est que je remplis pas mon rôle, tu vois. Donc, c'est mon rôle, en fait, de protéger chacun, enfin, de protéger, d'être. Là pour écouter les gens et leur mal-être un peu, tu vois, qu'ils peuvent avoir. Enfin, c'est un peu comme ça que m'a dit Xavier de m'orienter dans ma réponse, tu vois, donc ce que je trouve assez logique. Bah oui, enfin, je veux dire. Je pense que demain il va venir me voir parce que demain je pense que je vais passer une sale journée parce que avec Patrice librairie et en face Alexandre. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais ça t'inquiète. Je t'inquiète, je vais me débrouiller, c'est juste. Ça va pas être une partie de plaisir, je ne gâche pas. Je vais espérer qu'il y ait pas mal de clients comme ça. Je me focaliserai sur les gens intéressants, quoi, tu vois. Voilà. Oui, non, mais t'inquiète, hein, je me fais pas de soucis. Ouais. Enfin, il est bizarre ce mec là, Alex. Ce matin, il est venu me voir, il me dit tu sais si on a une paye? Bah, je t'écoute, non, je sais pas. Il me dit, non parce que depuis ce matin, alors il était genre midi après tu me dis ça, non parce que depuis ce matin que je suis arrivée, j'étais dû me connecter à un espace à boucle, là j'arrive pas, ça marche pas. Ok, bon, ok. Voilà, tu veux que je dis comme ça. Ouais voilà, ça te gêne pas, je lui dis, bah écoute, si tu vois pas, tu verras pas. C'est pas grave, ça fait ça. C'est pas grave, ça a des bons côtés, faut dire, c'est un côté challengeant à niveau managérial, tu vois. Ça, c'est sur des gens comme ça que tu peux t'entraîner. Mais non, mais bon, au moins, tu vois, il est. Je pense pas que ce soit très difficile, tu vois, c'est juste qu'il est un peu mis en lien, tu vois.
moi je me dis que c'est sur des gens comme ça que tu vois, j'arrive un peu à me forger un caractère derrière. Voilà. Par moment, c'est un peu comme hier. On a fait 900 et quelques. Mais il y a eu moins de panier que hier. C'était moins fluide, on verra. Elle a reçu un chèque, son chèque de paye, je pense, à Alice. Elle m'a dit, je suis trop émue, j'ai envie de chanter. Je dis, c'est bon. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a eu un chèque. Et je lui dis, parce que c'est la première fois qu'elle a travaillé en France, tu vois, et que bah, c'est un peu un talent qui a un pied dans le pays. Mais tu nous fais. Ça fait ça. Enfin, ça fait pas la peine, mais je pleurais non, tu vois. Enfin bon, ouais, voilà. Voilà, mais sinon rien de plus. Ok. Je suis pas là pour la main.
Thank you.
Mais bon, on parle pas trop parce qu'on a la peine de devenir assisté. Maintenant, elle comprend pas que dans 2 mois, elle verra plus. Oui, mais j'ai les... oui, mais les températures, ça va être 21. Ah oui, d'accord. Je veux quand même des plaids que je laisserai là-bas parce que j'en ai trop en fait. Ben, je vais regarder. Je vais donner le soupe maker aussi. Prochain arrêt, Ermont-Aubin. Acheter une glacière. Bah oui, pour bien qu'on emmène nos trucs qui sont en dessous. Il y a où on va les laisser faire. Ermont-Aubin. Attention à la marche en sortant du train. On a vidé notre piscine. Deux morts, personne.